Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, c'est Planète Rap Capoint. Passez une bonne soirée. Bienvenue. On est avec Capoint. Il est là, Capoint. Oui, Capoint. C'est Valentin aujourd'hui. C'est là, évidemment, que c'est le 14 février. Je sais que tu es un grand romantique. Ouais, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. Et le bon cadeau, le bon cadeau pour la Saint-Valentin. Imaginons, on est avec sa fiancée, tranquille, posée. Ouais. Ou à l'inverse d'ailleurs, hein. On est la fiancée, on est posé avec son mec, tranquille. Qu'est-ce qui manque à minuit? Du son. Il manque du son. On a fait un petit dîner, tranquille. Il manque du temps additionnel. Il y a eu les chandelles, il y a eu les pétales de rose, il y a peut-être eu un bain. Exactement. Des choses comme ça, évidemment. Qu'est-ce qui manque à minuit? Il est minuit, d'un seul coup, on se dit merde, il manque pas quelque chose? Si. Il manque quoi? Le temps additionnel. Temps additionnel. Et bien ce soir. Faire les choses. Ce soir, à partir de minuit. Oui. Quand vous serez en bonne compagnie, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut arriver que parfois les Saint-Valentin. C'est vrai. On a tous connu des grandes galères, mais en tout cas à partir de minuit, ouais. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur les plateformes genre Spotify, Deezer, tous les bails, sur YouTube Music, sur Apple Music, sur partout. Qu'est-ce qu'il va se passer à partir de minuit 1? À partir de minuit 1, écoute, hein. Ce sera le temps additionnel. Celui qui aura gagné sa soirée, c'est celui qui sera avec sa meuf chez lui. C'est vrai. En train d'écouter temps additionnel. Alors ça, par contre, là, c'est jackpot. Là, c'est la totale. Là, c'est le roi, c'est Cupidon. Il a gagné. Là, c'est Cupidon. Donc à partir de minuit, ne loupez pas. Ce sera en digital et demain dans les bacs pour ceux qui aiment l'objet. Ouais. C'est la sortie officielle. On fêtera ça demain soir, évidemment, entre 20 et 21. Tiens, faut que je te parle. J'ai une petite idée. Je te lancerai bien un défi pour demain, mais je t'en parlerai un peu plus tard. J'ai une petite idée. Déjà à Paris, ils ont gagné, je te l'avais dit. ça va être ta punition pour ça. Bah, bienvenue en tout cas dans ce Planète Rap ce soir entre 20 et 21. Il y a beaucoup de gens qu'on va présenter. Exactement. Juste avant, alors ça t'ennuie pas, tous les jeudis, je fais un atelier radio à Nanterre en fait, à la prison de Nanterre. Ouais. Et chaque jeudi, je reviens avec une liste de dédicaces. Je voulais les passer parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent enfermés. Direct. Et alors évidemment, c'est pour les gens de Nanterre et ça, pour tous ceux qui sont enfermés. Nanterre, et en tout cas, voilà, pour mon équipe, en tout cas de l'atelier radio et qui me passe des dédicaces. Donc, Cube et Tarzan enfermés à Draguignan avec les poteaux de Guinze. Timal, dédicace le B3 de Ternan, DDR, Brahms, Aubert, Jazz, Béné et Boboche Zou. Dooms qui dédicace à Marmon Massy, Nasser de Ivry, Tige à directeur J des Sports de Strasbourg, Eddy des Agnettes à Gennevilliers qui fait une dédicace à Franck, Gitan et Mike le Polonais du B4 Zou, Rachid de Blancoq qui dédicace à tout Nanterre, pour Sylvie de Saint-Leu-la-Forêt. Dédicace à Poutre Colombe, le 927 au B4, gros bisous à sa famille. Dédicace à Ilias du A2, 225 VSG Mexicain 94, Maison d'arrêt de Nanterre 92 et merci grosse le B2. Force. Et enfin, le fabuleux Zongo 2.0, le boss d'A, c'est lui qu'on salue évidemment. Une grosse force à eux. Et voilà, une grosse force à eux et à toute mon équipe radio. Sortie, c'est sûr, à Karim, à Kamel et à tous les autres aussi que je salue évidemment dans ce Planète Rap. On peut donc attaquer voilà ce soir aussi. Que se passe-t-il dans l'émission? Je vois qu'on est bien accompagné, franchement. Je tiens à te remercier déjà Capoint parce que tu ne fais pas les choses à moitié, surtout pour la Saint-Valentin. Exactement. Voilà. Moi, pour ce jour-là, c'est un jour spécial. C'est que j'ai tenu à mettre en avant l'art féminin, tu vois. La femme. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de femmes qui sont très fortes dans ce game, mais on les entend pas forcément, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y en a plein et je les ai réunies ce soir. C'est très important. Donc, il y a Mel, il y a Mouna. Qu'est-ce qu'on fait? On commence direct. On commence le tour de table ou? Non, on commence le tour de table. Alors on commence par qui? On commence par Mel. Donc il y a Mel. Ça c'est une collègue de bureau. C'est une collègue de bureau. Exactement. De chez Rex 118. Exactement. Quelqu'un que j'ai connu toute petite. Ah, mais là, et là, elle grandit de plus en plus. Elle s'exprime de plus en plus en musique. Et je sais que ça va pas tarder à cartonner. Je le sens. On l'espère. Ça va bien, Mel? Ça va et toi? Un petit mot, est-ce qu'on peut avoir juste un petit CV Express pour les gens qui te connaissent pas? Ou est-ce qu'on peut te suivre aussi? Ou est-ce que... Alors, qui es-tu? Alors, rapidement, petit CV Express. Je suis Mel, on peut me suivre sur Instagram, Mel officiel, et tous les autres Mel tirés du bac comics. Chanteuse, signée chez Rex 118, comme Capoint, depuis un an. La maison. Et voilà. Et donc tu bosses sur un projet qui va arriver en 2019. Enfin sur. On peut déjà voir des clips. Hein. Il y a des clips qui sont dispo. Hein. Il y a déjà deux clips qui sont dispo. Il y a un son qui va pas tarder à sortir en featuring avec Leto. Avec Leto. On n'a pas encore la date, mais bientôt. Donc voilà. Bientôt. Tout va bien? Ça va. Capoint sympa, collègue de bureau sympa. Bien sûr. Elle est déjà passée dans le. Est-ce qu'il joue des sérénades avec la guitare? Est-ce qu'il a tenté de jouer des sérénades, des trucs avec ça? Parce qu'il nous fait le coup de la guitare à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vais dire un truc, Fred. Hein. Ouais.
J'ai jamais utilisé une guitare pour gérer une meuf. Mytho. Jamais de ma vie. T'es pas crédible. Comme quand tu, comme, non, quand tu, comme quand tu parles comme de Manchester United. Ouais, pareil. Bah oui, arrête. T'es pas crédible, mais c'est pas grave. T'es sympa quand même. Eh ben, bienvenue à toi, Mel. On continue le tour de table. Vas-y, présente-nous un petit peu. Mouna. Avec qui j'ai fait un morceau. Un morceau il y a pas longtemps. Qui s'appelle Mamma Mia. Yeah. Une femme aussi que je trouve très forte. Allez, présente-toi. Qui est pas collègue de bureau, mais qui est pas très loin. 9-1. Voilà. 9-1. Déjà, merci pour l'invitation. Et ouais, moi c'est Mouna, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Mouna officielle partout, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Et on prépare un projet qui sortira le 15 mars. Donc voilà, là il y aura une suite sur les réseaux. Tu l'annonces parce que je crois que c'est la sortie, donc c'était pas annoncé encore, donc c'est le 15 mars. Voilà. 15 mars. Voilà, on a officiellement entendu sur Skype. Voilà, 15 mars. Yeah. Gang. Et Mouna l'a rêvé en disant ce soir c'est plus ton planète rap. Ouais, désolé, c'est ça. Mais ce soir c'est fini, Capon il est cuit. Ce soir on nous a dit Capon il est cuit. C'est fini. Ouais, j'ai aussi le Juice que t'as déjà vu. Ah bah le Juice, comment oublier le Juice. J'ai déjà vu. Le Juice qui nous a retourné le planète rap la dernière fois. Exactement. Et ben bienvenue, comment ça va le Juice depuis la dernière fois? Ça va très bien. Moi j'appelle Joss moi. Pour les gens qui étaient pas là, rappelle-nous un petit peu toi aussi, un petit CV Express. Où est-ce qu'on peut te suivre, ce qui arrive, ce qui se passe pour toi? Le Juice. LEJU2ICE sur tous les réseaux. Là, il y a le single No Cap qui vient de sortir. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, allez télécharger ça. Et le clip qui est disponible sur YouTube aussi. Donc, voilà. Un projet en préparation. Et puis. Eh bien, bienvenue à toi, le Juice. Le Juice. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Il y a Sheila qui est là aussi. La magnifique Sheila qui est là avec nous. La magnifique Sheila. Mais bien sûr, très, très fort. Sheila qui bosse dur aussi. Je sais qu'elle bosse dur. Il y a un truc en plus. Hein. Cette femme-là, je la trouve très, très forte. Voilà. Elle joue elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Elle est comme moi. Elle est comme toi. Elle c'est moi en nana. En nana. Il y a des ça fait vous ressemblez à part la taille. C'est ça. On n'a pas été gâtés à ce moment-là. Il y a un petit souci sur la taille, mais sinon, ça va bien, Sheila ? Bah, ça va, ravi d'être ici. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. En pleine forme, je sais que tu bosses dur. On bosse dur. Je sais que tu bosses très dur. Ouais, ça arrive. Donc 2019. Ça arrive. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est cool. Pareil, Sheila, allez la suivre sur les réseaux, hein, un peu partout, Sheila officielle. Exactement. On te trouve un peu partout. Tu connais la recette. Eh bah, ben, bienvenue à toi, Sheila, dans ce Planète Rap consacré à Capoin à l'origine, mais comme ce soir, c'est. Il a plus le contrôle, Capoin, il est cuit ce soir. Eh, hey, Fredo. Oui. Il y a une fille qui va venir se présenter. Allons-y. Viens, parce que j'ai pas envie de faire de gaffe sur le. Moi, je suis un mauvais prononciateur. Quelle tenue en gilet jaune? T'es ma la fourrure. Ah, fourrure jaune, pardon. Elle est là. Bienvenue. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci Capon pour l'invitation. Alors, petite présentation express. Alors, moi, c'est Liliezer. Je viens juste de commencer le rap et je compte m'imposer. Mais tu as raison. Mon Instagram, c'est Liliezer. L-I-L espace Y-E-A-Z-E-U-R. Tout est dit. Et voilà. Et bah bienvenue à toi en tout cas dans ce planète. Merci rap. Beaucoup. Yo yo. On a encore d'autres personnes à présenter dans un instant. Il y a Christopher Genda, c'est un foiré. Il est là. Ouais, on a fait le trap and roll ensemble. Le fameux Christopher Genda qui nous régalait. Raconte l'histoire parce que j'ai déjà trop raconté ça. Ouais, on était au studio, on était là. Il pleuvait, t'as mis un anorak. J'ai dit, toi tu fais du rock'n'roll. Et de la trappe. Trap and roll. Voilà, trap and roll. Et c'est toi qui as trouvé trap and roll? Ouais, on est à deux. Hein. Oh. C'est un travail en commun, c'est un boulot en commun. On est à deux, c'est de la collab. T'as capté? Ouais. Et bah bienvenue à toi Christopher. Christopher il est très fort, lui. Il est derrière plein de projets, je peux pas tout vous dire. Moi hier soir c'est que j'ai passé la nuit dans un studio en écoutant des choses sur lesquelles t'as bossé, je peux pas te dire. C'est lui sur Django. Non mais je sais, il est Django, c'est très lui. Fort. Django c'est lui. Bon, on attaque, on met un son dans Planète Rap et on présente encore, il y a d'autres gens qui sont là avec très nous bien. Ce soir. On va faire ça. Et c'est parti, le Planète Rap avec Capoin et là on balance à deux doigts. Ah. Je peux pas ralentir, je les ai vu retourner leur veste. Et quand la route tourne, ça part en fit. Que passa gringo, je suis le même négro, mais en pire. J'en ai pas vendu des millions, mais trap and roll m'a fait grandir. Y'a rien de légal dans mon auto, contrôle de routine, j'ai la voix monotone. Le fils de l'agent veut ma photo, son père veut nous faire tomber comme les feuilles d'automne. Salaire de Schmitt, paye pas la Gucci. La haine dans leur jeu comme Bellucci.
c'est moi qui dis Giro, dis souci. C'est dans le coffre qu'ils vont trouver la bouquet. Mes humains passent de la vendeuse du au braquage à l'italienne. Et c'est dans nos cœurs nous écrans dessus. C'est pour avoir la vie, la drêve. Donc on charbonne printemps, été, automne comme hiver. Printemps, été, automne comme hiver. Ralenti. J'ai jamais trahi la Honda. Mais est-ce que la Honda me trompera? Dites-moi qui est le compas. Je suis celui qui va le faire tomber. Et les bleus tournent en 125. Beaucoup s'évaporent quand c'est chaud. Suffit d'une poucave et d'un chien pour démanteler tout ta réseau. Y'a des cicatrices sur mes phalanges. Tant qu'il y a du bénéf, on défend les intérêts. C'est mieux pour toi, tu paies ce qu'on t'avance. Ou tu vas saigner parce que la rue a ses règles. La mort a une calache et une moto. Sous le casque, la face de ton poteau. Je compte la somme dans l'auto. Y'a que ça qui redonne le sourire d'un dano. Mes humains passent de la vendeuse tu. Au braquage à l'italienne. Et si dans nos cœurs nous aillent prendre dessus. C'est pour avoir la vie, la drêve. Donc on charbonne printemps, été, automne, comme hiver. Printemps, été, automne, comme hiver. Ouais, ouais, ouais. J'suis à deux doigts du mat. À deux doigts du magot. Ce soir, c'est une soirée particulière. J'en ai perdu mes esprits ce soir. Mais attends. Une galère, toi. C'est ça, ton ce soir, le Planète Rap, tu as mis un t-shirt sur ton micro. Ouais. Ouais. On va en justice parler à la pour fin. Adama. Sans exactement. Justice, vous n'aurez jamais la paix. On est tous concernés par ça. Tu veux ça. Qu'on dise un mot tout de suite ou... On est tous concernés par ça. On fera 2-3 minutes à la fin. Assa Traoré est là. La sœur d'Adama. La sœur d'Adama, elle est là. Et c'est avec un grand plaisir que je l'accueille aujourd'hui, tu vois. Pour pouvoir parler de son projet. Elle sort un livre en avril. Mmh. Et là, peut-être qu'il est un peu tôt pour en parler, mais je vais la laisser s'en charger à la fin. On va le dire, ouais, on dira un mot tout à l'heure. On fera la partie live aussi. Il y a d'autres invités qui nous ont rejoints aussi autour de la table. Je connais cette jeune fille qui est à tes côtés aussi. Regarde-moi ça. Ouh là 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 là. Est-ce que tu veux dire un mot? Laze, check-moi s'il te plaît. Oh merde alors. Je suis malade en plus. Ah bah merde, t'es malade, tu vois. Allez, une gastro pour 4 points. Allez, hop, c'est offert, c'est gratuit. On y va tranquillement. Un petit mot, bienvenue à toi. Ben, merci à 4 points déjà de m'avoir invité. Voilà. Mais on m'entend pas là? Si, ben, si on t'entend, bien sûr que si on t'entend. Voilà, merci à Capin de m'avoir invité et on est ensemble comme jamais. Je vais essayer de brûler ça. Rappelle-nous qui tu es, rappelle-nous un peu ton parcours, ce qui se passe. Voilà. Alors, je suis Lace, je suis une rappeuse, j'ai 21 ans, je suis chez Bendo Music. Tu étais passée dans Planète Rap Dice MC. Dice MC. Ouais. Celui de Hornet aussi. Et voilà. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Exactement. Et puis la suite arrive pour 2019. Exactement. Et ben bienvenue à toi aussi. Il y aura donc un gros live, vous l'avez compris, ce soir. Donc, soirée.
essentiellement féminine, j'ai envie de dire. Hein. Hey, moi, je te dis, ma Valentine, ce soir, c'est ma guitare. C'est, elle est là. C'est ma guitare. Black est là. Donc, j'invite. Non, Noir, pardon. C'est... Ah non, elle s'appelle Noir. Elle s'appelle Noir, pardon. Elle s'appelle Noir. W2AR. Mais je te vois tellement international que j'ai voulu l'appeler, Black d'un seul coup. On va faire un petit jeu qui s'appelle Bouche les trous. Tu vas voir, c'est très simple. D'habitude, on le fait le vendredi, mais comme demain, ce sera encore une soirée chargée. Et d'ailleurs, à propos de demain, est-ce que tu es capable de relever un défi si je te lance un défi? Franchement, on voit le défi. Le défi, il est simple, parce que tu nous parles justement de Noir depuis le début de semaine, genre la gratte, j'ai commencé la gratte, mon daron m'a appris la gratte et tout. Moi, j'aimerais retrouver, je sais pas, je vais prendre 3-4 morceaux demain. Ouais. 3-4 morceaux, genre, de plutôt rock, Et je vais te lancer le défi de les rejouer. De toute façon, c'est Skyrock, donc on a besoin de faire du rock. On va revenir un peu en arrière. Tu as le délai. Est-ce que tu te sens capable ou tu peux me dire tout de suite, non, je me sens pas capable. Je relève, c'est obligé. Tu peux perdre toute crédibilité demain. Hein. J'en ai rien à foutre. Donc demain, on fera ça demain pour la dernière. Ça te va ? Dernière demain. 3-4 morceaux que je vais choisir. Je vais réfléchir à ça ce soir. Tu m'envoies. D'ailleurs, dites-nous si vous avez des idées de morceaux un peu rock, si vous allez entendre des reprises que Capoin, on peut le défier sur quoi ? Vous envoyez un message avec le hashtag Capoin sur Skyrock et on le défiera demain soir dans l'émission entre 20h et 21h. Faites pas les fous non plus. Hein, envoyez pas de trucs de ouf. Donc on va décaler un petit truc qu'on fait généralement le vendredi soir, qui est un petit peu un bilan surtout. Mm-hmm. Je commence la phrase comme si j'étais Capoin et tu finis, mais comme t'es Capoin, c'est simple. Par exemple. Avec ma guitare, moi, au quartier Capoin, on me disait toujours... T'envoies du lourd. L'idole de mon enfance, c'était... Jimi Hendrix. Le plus lointain souvenir que j'ai avec la musique, c'est... Souvenir de mon père quand il m'apprenait à jouer de la guitare. La plus grosse connerie que j'ai faite, c'est le jour où... J'ai menti. J'ai menti à mes parents quand j'étais tout petit. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait une signature. Tu vois les punitions, là, des... Tu vois les punitions, les lignes, tout ça, j'avais signé à la place du daron. Oh, les punitions signées, tout ça. Et ça, ma mère, elle avait retrouvé ça quand j'étais tout petit dans... Ah, pas bon, ça. T'es ma, comment j'ai mangé la chicotte. Ça a chicoté sévère ou quoi? Laisse tomber. Ça a chicoté sévère. Ah, papa. Le meilleur souvenir que j'ai avec mon collectif 130 Zombies, c'est... Notre clip Wesley Snipes. Le tournage du clip, c'était lourd. Depuis que j'ai fait ma cité à craquer avec Nino... C'est le feu. Les artistes du 9-1 que je suis en ce moment, ce sont... Alors, il y en a beaucoup, il y a des mecs de ma ville, comme je t'ai dit, Doulkha, que j'ai invité au Planet Rap. De ma ville, il y a aussi Louga Koba. Louga Koba, ouais, qui est passé. Louga Koba qui est passé. Et il y en a plein d'autres. Allez suivre le 9-1. La S2R, allez suivre Resto Rangis, c'est vraiment très fort chez nous. Moi, Capoin, en tant que supporter de l'OM, je trouve que mon équipe... Là, la question, elle est pas bonne. Je suis pas supporter de l'OM. Tu me fiches devant tout le monde, là? T'es sérieux, quoi? Allez, autre chose. Si mon album fait disque d'or, je... Je bois. Bah, invite-moi. Ouais, je t'invite. Qu'on picole ensemble. Ouais, on picole ensemble. Sois pas tout seul. Je t'invite, direct. En dehors de la musique, j'adore... J'adore le cinéma. Entre le rap, la guitare, les meufs, je préfère... Ma guitare. Je te mens, mais c'est pas grave, viens, on fait ça. T'aurais pu dire ma guitare avec une meuf. Ouais, pourquoi pas. Là, on peut choisir deux trucs. Bah, tu peux. Bon, bah, vas-y. La scène que je rêve de faire, c'est... Le Zénith. Zénith ? Ouais. Donc, objectif Zénith. Mmh. La personne qui m'a le plus aidé dans la musique, c'est... Mon père. Le daron. Ce que je déteste le plus dans mon métier, c'est... La promo. T'as passé une semaine avec moi presque. Ouais, mais c'était cool avec toi. C'est pas fini encore. C'était cool. Tu diras ça demain, on verra. Ouais. Mon objectif pour la suite. Mon objectif pour la suite. Réussir. Mon objectif, pourtant additionnel, c'est. Pourtant additionnel. Faut que ça pète. Ce sera dans les bacs tout à l'heure. Ça pète. Digitalement à partir de minuit. Ne loupez pas la sortie ou demain dans les bacs. Alors, parce que c'est important. Ouais. On se rend pas compte, mais de se déplacer, d'aller chercher un disque, c'est aussi. Voilà. C'est aussi. Aussi maintenant, c'est devenu un espèce d'acte. C'est-à-dire, t'inquiète, voilà, on va envoyer des soldats là. D'aller toutes supporter. Temps additionnel. Les soldats, allez-y, fort. Capoin est-il un mauvais garçon? Ouais. Et bon, on l'écoute maintenant ce morceau, c'est parti. Exactement. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle passe quand je suis absent. Moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle passe quand je suis absent. Moi
moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Tu m'en veux, oui, des fois je rentre tard. C'est pour le business, ne crois pas que je suis fait tard. Attiré par la street depuis tes tard. S'il y a pas de cœur, c'est la monnaie qui répare. Je n'aime pas quand les keufs m'approchent. Mais tu sais que les affaires rapportent. Ton cœur est pur comme le diamant. Le mien est plus dur que la roche. Elle prend des risques, ne fait pas semblant. Son cœur palpite à chaque battement. Loin des yeux et près du bâtiment. Je lui donne du love illégalement. Je l'aime un peu, elle m'aime beaucoup. On baise passionnément jusqu'à la folie. Y'a jamais de pas du tout. Je l'aime un peu, elle m'aime beaucoup. On baise passionnément jusqu'à la folie. Y'a jamais de pas du tout. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle patiente quand je suis absent. Moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle patiente quand je suis absent. Moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Beaucoup la veulent mais je ne m'inquiète pas. Après les ébats c'est des débats. A tort ou à raison, je leur prouverai qu'ils ont tort. L'amour a ses raisons que les raisons ignorent. Suis-moi et je te fuirai. Suis-moi et je te suivrai. T'iras partout où j'irai. On esquivera les sirènes. Je tiens à elle, elle le sait. Mais trop fier pour le dire. Je combattisse un empire. Pour le meilleur et pour le pire. Je l'aime un peu, elle m'aime beaucoup. On baise passionnément jusqu'à la folie. Y'a jamais de pas du tout. Je l'aime un peu, elle m'aime beaucoup. On baise passionnément jusqu'à la folie. Y'a jamais de pas du tout. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle patiente quand je suis absent. Moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Vos femmes, profitez de vos mecs, ça va bien se passer. Moi j'aime son petit accent. Tant du soleil à minuit, ouais. Elle veut du love, de l'action. Elle a cet air innocent. Rêve de barreau d'évasion. Parce qu'elle aime les mauvais garçons. Histoire de drogue et d'argent. Elle passe quand je suis absent. Moi j'aime son petit accent. Et elle aime les mauvais garçons. Additionnel à minuit, ouais. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Capoin, temps additionnel. En effet, c'est dans quelques heures maintenant la sortie en digital à pas louper. Oui, bah oui. Tu as bien choisi. Attends, ta date entre la Saint-Valentin et le 15 février. Là, il est presque 20h16, 20h17. Ah, merde, alors bientôt. Hein. Dans 3h45. Exactement. Tranquille, ce sera un peu partout en digital. Et demain, dans les bacs aussi. Toi, t'es plutôt quoi? T'achètes plutôt en digital? T'achètes en... Moi, j'aime bien le physique, moi. T'aimes bien le physique? T'aimes, ouais, bien, t'aimes bien avoir physique. L'album? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien regarder un petit peu à l'intérieur? Ouais, tu à l'intérieur, le livret, dévoiler un petit peu 2-3 trucs, le livret. Est-ce que je dévoile? Non, je dévoile. Tu dévoiles pas? Merde, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as vu un truc de ouf là? Le mec sort un téton, quoi. Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus, stop, allez voir. Il y a un téton à l'intérieur, allez hop. Garantie avec un téton à l'intérieur. T'imagines? La promo de l'album, ouais, temps additionnel, garantie avec le téton de Capon à l'intérieur. Allez hop, allez, je vous en dis pas plus, allez mater t'es ça dans les bacs à partir, téton. À partir de. Est-ce qu'on a présenté tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de filles ce soir qui sont là, de femmes, pardon. Mallory qui est arrivée. Mallory. Ah bah Mallory, alors un petit mot sur Mallory s'il te plaît. Mallory, femme très forte. Salut, comme d'hab. Moi j'ai pas eu l'occasion de la croiser en featuring ou quoi. Ouais, c'est mais vrai. C'est une femme qui envoie du lourd. Merci. Mallory, comment ça va? Je t'ai ramené que du lourd. Salut. Ah ben bah, j'ai vu. Ah, enfin. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Je t'ai déjà vu, déjà aussi, je te c'est connais vrai. Aussi. On s'est vu, revu. On s'est vu et revu, mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, un petit mot sur toi, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver, Archer. Qu'est-ce qui se passe? Archer, donc Mallory, chanteuse progressive R&B. Donc là, je prépare mon album qui sortira début juin, si tout se passe bien. Et voilà, ce soir, on va balancer du lourd. Donc merci qu'à point d'être là ce soir. Merci, et on va tout balancer. Lourd. Session live tout à l'heure. Déjà. Appel.
dim à la voix. C'est bizarre, j'ai pas entendu DJ Blax. Il est très discret avec ce soir. Sa femme, là-bas, c'est la Saint-Valentin. C'est ça. Il est avec Madame Blax. Il est avec Madame Blax. Du profit. C'est le couple Blax. Non, moi, je suis Madame Blax. Non, j'ai ramé ma madame, mais c'est pas Madame Blax. Arrête ça. Alors, je te laisse te démerder tout seul. Donc, franchement, j'ai rien compris ce que tu viens de me raconter. Moi non plus. J'ai ramené une madame, mais c'est pas Madame Blax. Donc, Ah, j'ai pas compris. Donc, j'ai pas compris dans la conversation. Non, mais pas grave. Finis ton truc tranquille. Ça va bien. On va le laisser tranquille parce que j'ai peur qu'on ait des soucis après par la suite avec Blax. Donc, on va le laisser tranquille dans son dé. Reste tranquille, Blax, tout va bien. Blax, c'est calme. Il y a une session live qui se prépare, non, Blax? Toujours. Tu es prêt? Parce que je te sens un peu distrait aussi. Je suis distrait, mais comme les femmes ce soir, elles sont présentes, tu vois, faut envoyer du sale. Et je sais que ce soir, il y a des femmes, elles représentent le sale avec. Mais du bruit, les femmes qui sont là. Mais t'as vu? Place, gang, gang, tu sais qu'il y a des kickeuses. Il y a des femmes. Il y a que Mouna qui a réagi, hein. Je peux rien dire. On dirait qu'il n'y a pas de femmes ce soir. Il y a que Mouna qui est énervé, hein. Enfin, elles sont neuf, hein, mais bon. Ne bougez pas, dans un instant, on va revenir sur Skyrock. On balancera un morceau. Qu'est-ce qu'on met? Peut-être en additionnel d'ailleurs. Ton additionnel? Le nom de cet album? Allez, balançons. Qu'est-ce que t'en penses? Le titre éponyme. Le titre éponyme, exactement. Exactement. Sortez les dictionnaires, c'est qu'à point ce soir. Bang. Il est avec nous entre 20 et 21. Et on revient juste après ça. Une heure en direct avec K-Point. C'est Planète Rap sur Skyrock. C'est Planète Rap entre 20 et 21. K-Point ce soir, une émission spéciale Saint-Valentin. Mais, tu tenais à inviter quelqu'un pour un message très important. Un message qui tient à cœur. Exactement. Bah, j'ai invité Assa Traoré. Et la sœur d'Adama Traoré. Qui est la sœur d'Adama Traoré, qui a sorti son livre en 2017. Qui s'appelle Lettre à Adama. Qui s'appelle Lettre à Adama, exactement. Et voilà, je vais la laisser se présenter. Elle va sortir un prochain livre le 3 avril. 2019. Qui s'appelle Mon Combat, c'est ça, pour Le Combat. Le Combat. Le Combat. Exactement. Parce que c'est un véritable combat, en fait. Pour résumer rapidement, Adama, qui est ton frère, était victime pour l'instant, en tout cas, on sait pas trop, mais il est mort après une intervention policière, une intervention de gendarme, hein, c'est ça, Oui, c'est ça, mon frère, déjà, merci de nous recevoir ici sur Skyrock. Merci à l'artiste K-Point, merci à Mallory. Aujourd'hui, en tout cas, de nous donner la parole pour parler du combat de mon petit frère. Ça fait presque 3 ans. Au mois de juillet, sur un combat qu'on mène face à l'État, face à le système. Aujourd'hui, on l'appelle la machine de guerre parce qu'ils ont fait de nous des soldats malgré nous. Face au combat de mon petit frère qui s'est fait tuer le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Il venait juste de. Donc, c'est une intervention policière. Alors ça s'est pas passé comme ça exactement ce jour-là. Je vais parler de la pièce d'identité parce qu'elle aura un élément important dans la mort de mon petit frère. Ce matin-là, Adama, la mairie, elle appelle chez nous pour dire qu'il peut venir récupérer sa pièce d'identité. Je parle de la pièce d'identité parce que aujourd'hui dans nos quartiers, depuis toujours, la pièce d'identité c'est comme un bouclier, c'est comme un gilet pare-balles. Et ce jour-là, malheureusement, mon frère n'avait pas ce bouclier, n'avait pas ce gilet pare-balles, il est mort. Donc c'est le jour où il doit récupérer sa pièce d'identité. Il doit récupérer sa pièce d'identité et malheureusement, mon frère n'a jamais eu le temps de la récupérer, sa pièce d'identité. Ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés, il décide de faire un tour de vélo, c'est son anniversaire, il avait sa chemise à fleurs, son short et son bob. Quand mon petit frère Baggy se fait interpeller dans le centre-ville, Adama le voit passer. C'est à Beaumont, hein. À Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, à 50 km de Paris. Et Baggy se fait subir un contrôle d'identité sur la terrasse de café dans le centre-ville de Beaumont. Adama passe en vélo. Et quand il voit les gendarmes, il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité, donc il décide de pédaler à toute vitesse et à partir. Les gendarmes vont courir après mon petit frère sans aucune raison. Et l'interpellation de mon frère va se faire en 2 temps. Il faut savoir qu'en premier temps, à peine 200 mètres, Adama va se faire violenter, frapper par les gendarmes. Un individu va tenter de venir le défendre parce que les gendarmes sont en civil. Ensuite, dans le deuxième temps, Adama, il va réussir à s'enfuir, il va aller se cacher dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Et tout va se passer là. Mon frère va en tout cas, ses derniers souffles seront dans cet appartement-là. Adama va se mettre le ventre contre sol. Les gendarmes vont rentrer dans cet appartement-là. Ce que je vous dis là, c'est ce qui a été dit ce qui est sorti lors de la première audition des gendarmes. Mon frère est à la ventre contre le sol, il a un drap sur lui. Quand ils vont rentrer, mon frère va subir un plaquage ventral. Ils vont monter à 3 sur mon frère. Mon frère va prendre plus de 250 kilos.
Adama va leur dire je n'arrive plus à respirer. Ils vont compresser la cage thoracique de mon frère. Et il faut savoir que dans plusieurs États européens frontaliers et aux États-Unis, ces techniques d'immobilisation sont interdites, mais qui continuent à être pratiquées en France. Ils vont traîner mon frère jusqu'au véhicule de la gendarmerie. Et dans ce véhicule, Adama va leur dire je n'arrive plus à respirer. Adama va piquer de la tête. Adama va uriner sur lui. Et ce jour-là, ils vont décider que mon petit frère allait mourir parce qu'ils vont pas l'emmener à l'hôpital qui est à peine de 200 mètres du lieu de l'interpellation. Ils vont faire plus de 5 minutes en voiture, ils vont l'emmener dans cette gendarmerie où ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins. Mais en fait, en réalité, ils vont jeter mon frère dans cette cour de gendarmerie comme un chien. Parce qu'il y a un rapport, après il y a différents rapports, et il y a un rapport de pompiers qui dit qu'en fait, avant leur arrivée, il n'y a pas eu de soins. Hein, c'est ça, pour l'instant, ça c'est prouvé. Ça c'est prouvé, ça a été dit. Avant les pompiers, avant le SAMU, il n'y a pas eu de soins qui a été apporté à ton frère. Bah alors eux vont nous dire qu'ils apportent les premiers soins, sauf que notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va s'apercevoir quelques jours après qu'il manque les rapports des pompiers et des SAMU, il va les exiger. Et ces rapports vont dire que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, mon frère a le ventre contre le sol, a les poignets, les menottes au poignet, donc il n'a pas pu le mettre en position de PLS. Les pompiers vont demander à ce qu'ils retirent les menottes des poignets de mon frère, les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister et la mort officielle de mon frère, elle est déclarée à 19h05. Et la journée va commencer hein, pour nous. Faut savoir que aujourd'hui, moi je suis là, c'est moi la porte-parole. Mmh. Je suis entouré des amis de mon frère. C'est un combat qui est porté localement, c'est un combat qui est porté par chez nous. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi à l'heure d'aujourd'hui et 3 ans après, il n'y a toujours pas de date de procès en fait. Pourquoi il n'y a pas. Parce qu'à un moment, après on verra qui a tort, qui a raison. Je l'espère. J'espère qu'à un moment, il y aura une justice pour Adama là-dessus. Ouais. Moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais ce que j'espère, c'est qu'évidemment, il y a un procès, et un vrai procès, un procès juste. Mais pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, 3 ans après, il n'y a toujours pas de date de procès? Comment Parce tu expliques que, ça On se bat, comme je l'ai dit dans le début, on se bat contre un système qui est extrêmement puissant, qui est l'État et la justice, qui ont toutes les forces. Et cette machine de guerre, elle a aucun sentiment, aucun état d'âme. Tous les coups sont permis. Et ce qui se passe, c'est que je suis obligé de revenir à cette journée-là. Tout de suite, on va criminaliser mon frère. 3 jours après, l'expertise, parce qu'il faut. Là, on est à 5 expertises. Oui, il y a 5 expertises qui ont été faites pour savoir, grosso modo, les causes du décès. Pourquoi on n'est pas encore au procès? C'est que tout de suite, ils vont criminaliser mon frère. Ils vont dire que mon frère est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Et on va dire que c'est faux. On va se mobiliser. Et 3 jours après l'expertise, on va nous convoquer à la préfecture de Cergy et on va nous dire, cet État français va nous dire, nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours. Ah. On s'est permis de contacter Air France et Roissy, le corps d'Adama peut partir dès demain. Et nous, on va dire non. On va demander une autre expertise qui va sortir une semaine après, qui va dire que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, ni d'infection très grave, ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de la drogue. Et on va demander à ce que le procureur, avec notre avocat, maître Yacine Bouzrou, qui soit dessaisi, sera muté. On va demander à ce que ça change de juridiction. Et l'affaire va arriver à Paris en janvier 2017 avec 3 juges. Et en janvier 2017, ces juges vont demander une troisième expertise pour trancher. Cette troisième expertise va dire que Adama Traoré, mon petit frère, est bien mort asphyxié. Parce que mon frère a pris plus de 250 kilos sur lui. Et va dire qu'il n'est pas mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Mais il y a une anomalie cardiaque qu'ils veulent éclaircir. Et depuis, juste pour parler un petit peu aussi de ce qui se passe depuis 3 ans. Donc non seulement il n'y a toujours pas de date de procès, et j'ai l'impression que tous tes frères aussi, tous tes autres frères, il se passe un truc autour de la famille, parce que on peut le dire, tous tes autres frangins sont en prison à l'heure d'aujourd'hui. À ça, tu sais, aujourd'hui le quotidien il se fait entre la prison. J'ai tous mes petits frères en prison, on fait fleurir. Vous êtes combien dans la famille? On est 17 frères et sœurs. Et depuis la mort de mon petit frère, on subit une pression, on subit un acharnement de la part de l'État. Ça, tu le sens, tu le sens même toi d'ailleurs, tu le sens aussi au quotidien. Bah, tu sens que. Tu sais, quand on touche à mes petits frères, on touche à la cellule familiale, ils ont compris que la cellule familiale Traoré, elle était assez forte et que si on la touchait, bien évidemment, on allait me toucher, ça c'est sûr. Donc je profite même d'être là sur Skyrock pour une grande dédicace à mes petits frères, parce que la justice pour Adama, on l'aura. On l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Tu crois que le combat va être long, honnêtement? Penses que ça va être long encore après 3 ans? Je suppose que même pour vous, pour la famille, je pense qu'à un moment, voilà, pas pour tourner la page, parce que votre petit frère sera toujours là, mais est-ce que tu penses que ça va être long et que
et qu'il n'y a pas un moment où ça peut raccourcir, qu'à un moment la justice va vraiment prendre les choses en main, et qu'on dit toujours que la justice est indépendante. Donc est-ce que la justice va y aller en se disant bon, analysons vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, analysons est-ce que vraiment il y a eu en effet une bavure, parce que ça arrive, des bavures, il y a des bavures qui arrivent, et il faut aussi le reconnaître. Il faudra un moment aussi le reconnaître ici, que l'État français a pu provoquer des bavures sur des jeunes comme pour ton frangin. Est-ce que tu crois que ça peut avancer, ou tu sens comment toi l'avenir là-dessus justement? Je pense que ça va être long. De toute façon, le combat on l'arrêtera pas tant que mes petits frères sont en prison. Comme j'ai dit, on fait Fleury, Bois d'Arcy, Oni, Villepinte, Meaux, pour voir tous mes petits frères. Le combat, il va être long. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est plus un combat qui appartient à la famille Traoré. C'est un combat pour tous les Adama Traoré. Donc le combat, c'est pour mes petits frères, c'est pour tous ces jeunes garçons. Parce qu'en fait, tant que la France, le combat, on l'arrêtera pas. Tant que la France, elle aura pas compris que la vie de nos petits frères, elle vaut d'être vécue. Et que, en fait, ils peuvent participer à la construction de ce monde, hein. Ils peuvent participer à la construction de cette France. Et surtout, ils peuvent participer à la construction de leur propre vie. Parce que c'est ce système-là, ce système qui tue nos petits frères. Et le combat Adama, bien sûr qu'il sera long. Mais c'est un combat qui doit être porté par tout le monde. C'est un combat qui doit être porté par beaucoup de monde. Moi, toute seule, j'y arriverai pas. Mon comité, il y arrivera pas tout seul. C'est un combat que vous devez nous donner de la force. Aujourd'hui, on est sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est le combat, si on va dans la rue, c'est pas que pour Adama Traoré, parce que mon frère reviendra plus, mais pour tous les Adama Traoré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut suivre? Où est-ce qu'on peut avoir des infos, j'ai envie de dire, au quotidien? Où est-ce qu'on peut voilà, vous filer un coup de main s'il y a des mobilisations, s'il y a... Qu'est-ce qu'on peut suivre à ça? Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook La Vérité pour Adama, sur Twitter La Vérité pour Adama, sur Insta La Vérité pour Adama, et sur mon Insta Assa Traoré. Et on a aussi des t-shirts, le t-shirt qui est là. Aujourd'hui, ce t-shirt que certains rappeurs, je pense à Black M qui l'a porté dans son clip aussi. Je pense à Booba qui fait une dédicace d'ailleurs dans son dernier morceau qui s'appelle PGP aussi. Beaucoup de monde, Youssoupha évidemment. Énormément de monde. C'est un combat qui est porté par beaucoup de monde. Et aujourd'hui, le t-shirt Adama, c'est devenu un symbole de lutte. C'est un t-shirt que on doit porter. C'est un t-shirt aussi qui nous aide financièrement. C'est un t-shirt qui coûte 10 euros. Et qu'on trouve où? On peut trouver sur le site internet que vous pouvez trouver sur nos pages. Parce que c'est important de le dire. Hein. Là, aujourd'hui, le combat, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans combat, on n'avance pas. Là, on parlait d'expertise. Il y a une expertise qui va sortir dans quelques jours qu'on paye très cher, qu'on paye de notre propre frais, plus de 4000 euros. Et à cette expertise, j'espère qu'on va arriver à un procès. Parce que c'est, quand on a écarté tout ce qui est maladie cardiaque et cause cardiaque, on va nous sortir la drépanocytose. Et nous, on a écarté la drépanocytose. On s'est battu pendant 2 ans. Les gendarmes aujourd'hui sont mis sous témoin assisté sur la non-assistance en personne en danger. Nous, on veut qu'ils soient mis en examen sur les violences qui ont causé la mort de mon petit frère. Donc le combat, il est là. On redescendra sûrement encore dans les rues pour réclamer justice et vérité. Dans le 20 juillet, on fera la commémoration des 3 ans de la mort de mon petit frère. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On espère que vous allez relayer l'information maintenant qu'on est passé. On a aussi le livre Lettre à Adama. Et le bouquin qui sort là, c'est ça, en avril, hein? Alors, en avril, ouais, le bouquin avril. Qui sort en avril, c'est Le Combat Adama. Donc nous, on l'appelle le contre-manuel. Parce que ce système français, il y a un manuel qu'ils ont quand nos frères se font tuer. Ils vont les sortir. Nous, on fait le contre-manuel avec Le Combat Adama. On l'appelle Le Combat Adama. Il y a aussi le livre qui est sorti en mai 2017. Celui-ci, Lettre à Adama. Lettre à Adama, que vous pouvez trouver partout, à la FNAC, sur Internet, sur Amazon. Chaque livre acheté est reversé à l'association Adama. Et c'est un livre qu'on écrit parce qu'eux, ils écrivent notre histoire. Nous, on écrit l'histoire de mon petit frère, parce que l'histoire Adama, elle ne commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence le 19 juillet 1992 avec toute une histoire, avec tout son vécu, avec tous ses rêves qu'on a tués, et oui, comment il est mort, et tous nos soutiens. Et malheureusement, avec toutes les personnes qui sont mortes avant mon frère et après mon frère, il y a la semaine dernière, on était à la commémoration de Gay Camara qui est mort d'une balle dans la tête. Donc il y a un combat qu'on doit mener, mais c'est un combat qu'il faut que vous nous donnez de la force, parce que les violences policières, ça tue, malheureusement, ça nous tue. À ça, merci d'être passé. Je trouve merci en tout cas qu'il y a une grosse force. Je trouve grosse en tout cas, et j'espère vraiment, moi je crois encore à la justice de notre pays. Peut-être que je me trompe, mais j'y crois encore. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un procès équitable pour toi et pour ta famille et pour tes proches. Et en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie dignité, parce que jamais je t'ai entendu appeler à la violence ou quoi que ce soit contre les forces de l'ordre, contre les gens. Et ça peut, même si évidemment on peut condamner, mais ça peut se comprendre quand on vit un drame comme ça au sein de sa famille. Mais je t'ai toujours trouvé très digne quand je t'ai vu à la télé, quand je t'ai vu dans des combats, quand je t'ai vu manifester à droite à gauche. Donc voilà, bravo pour ça. Merci. Continue, même si le combat, et j'espère que ce combat, un moment ou un autre,
nous donnera la vérité de ce qui s'est vraiment passé. Et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. À ça, ainsi que ta, j'espère à ta famille. J'espère qu'on arrivera jusqu'au bout. Et dites-vous bien que dans 10 ans, dans 20 ans, bah, vous direz que vous aurez participé, toutes les personnes qui sont là, à un combat. C'est le combat vérité pour Adama, pour tous les Adama Traoré. Et un grand, 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 mot pour mes petits frères. Vraiment pour mes petits frères. Qui nous écoutent. En prison, ouais. Une grosse donc, force. Voilà. À ça. Grosse force à tous. Force à toi. Merci à ça. Et merci à la famille Traoré. Merci à elle. C'est un combat pour tout le monde, Fred. C'est un grand combat. Et d'ailleurs, ce combat, peut-être qu'on peut aussi le prolonger en musique. Alors, c'est pas évident de reprendre derrière. C'est pas évident de reprendre derrière que c'est pas simple. Mais peut-être que, voilà, aussi avec la musique, il faut, apporter de la force à cette famille. On a un artiste de chez nous qui est là. Eh ben très bien, on va l'accueillir, c'est parti, c'est l'heure du live maintenant, c'est parti, Capoin. On voit, allez, c'est parti. On y va. Mel est dans la maison. Hey. Mel ? Est-ce que Mel est dans la maison ? Mel est dans la maison, elle est là. Oui, désolé. Hey. On est tous un peu troublés, mais on repart sur le live maintenant. On va remettre un peu de chaleur dans tout ça. Le cœur touché, je comprends pas. Le cœur touché, mais je comprends. Des prises de tête, mais ça compte pas. J'ai changé, tu me comprends pas. J'ai changé, mais tu comprends. C'est fini, donc ne l'entends pas. Oh oh oh. Skyrock. Ouais, t'as trop déconné, déconné, ouais, mais c'est fini maintenant. Tu peux y aller, vas-y, vas-y, tant pis, prends ton temps. Brand new. Ouais, t'as trop déconné, déconné, ouais, mais c'est fini maintenant. Mais là, c'est trop. Oh 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 oh. Allez. Mais je t'entends pas. C'est peut-être mieux qu'on se fatigue pas. C'est peut-être mieux qu'on se fatigue pas. J'sais pas, moi c'est déjà trop tard. Et ça recommence tous les mois. Toi et moi c'est pas la même. Et la danse c'est qui l'a. Zéro appel, plus de réseau. T'aurais capté le message dans le fond. J'comprends plus tes défaits, j'tourne en rond. Allô, allô, oh, oh, oh. Mel, elle a dead. Est-ce que Lay, c'est dans la maison? Est-ce que Lay, c'est dans la maison? Oui! Voilà ça, Lay. Gang. Ouais. Gang. Check. Temps additionnel. Tom à minuit. Dans les bagues. Oui! Tu m'expliques c'est quoi le délire? J'ai l'impression que t'es dans le déni. Moi, j'attends juste qu'on me délise parce que j'avoue que ça devient pénible. La chose est fausse, c'est le taf qui paye. Je pars à la guerre bien équipé. On s'est donné, faut pas qu'on perde. Je pense même pas qu'on s'est trompé. C'est que c'est dur de prendre des risques, mais de rien faire, c'est plus terrible. Ça fait longtemps que je suis dans le flou, j'espère que bientôt j'atterris. Et regarde, tous veulent pas ton bien, car la plupart veulent te voir tomber. La dignité, ça vaut combien? Moi, c'est l'ambiance que je viens pomper. Les points de suture sont dans le cœur, je débloque souvent sur ce qu'on m'a dit. Arrête le rap, c'est pas pour toi, tu vas rien faire, c'est pas possible. Donc j'ai ramé, je me suis noyé. Dans mon malheur, moi j'y croyais. Mon rêve, c'était de les broyer. J'ai tapé pendant qu'ils baillaient. Le pire, c'est pas qu'ils parlent, mais c'est la haine qu'ils ont, mon gars. Le mauvais désir est bien réel et tout se passe dans le regard. Moi, je suis conscient que des portes se ferment. Donc je me concentre sur celle qui souffre. J'ai fait un petit tour en Afrique et ouais, je suis pas trop celle qui souffre. Ici, pas, c'est qu'un voyage, ne t'accroche pas à ce qui te nuit. C'est souvent celui qui t'aime qui passe son temps à te détruire. Ça veut rien faire, ça veut des thunes. Tu trouveras rien sur le bitume. Donner mon cœur plus l'habitude de rappel, je me fais des piquets. On était plein, ils ont taillé. Donc vers le haut, je me suis tiré. C'est beaucoup plus facile, plus trop de poids sur les épaules. Quand ça fait pas, ça déclare, reconnaisse ta vie en détaillé. Donc ouais, beaucoup plus facile quand tu te sépares de certains potes. Et qu'est-ce qui se passe après tout ça? Personne ne sait pour ça qu'on sert. Y'a ça taillé pour faire du mal, maintenant ça demande des conseils. Ne me dis pas qu'il faut qu'on parle, si rien de tout ça me concerne. On fera jamais dans l'à-peu-près, ouais, tout ce qu'on dit c'est du concret. Si t'as repris des rêves à cœur, ne t'étonne pas s'ils se brisent. On finit tous dans l'ombre, mais on veut toujours tout ce qui brille. La pire bêtise de l'homme est de croire qu'il peut tout détruire. Et si t'as perdu la foi, c'est
ai déjà payé le prix. Dans mes amis, j'ai fait le tri. Leur rap restera ma thérapie. Ouais. Gang, gang, gang. Les allons voyons, voilà ce qui s'est demandé. Yes, sir, bitch. Call off her head, don't care. Got this bitch, she's looking at her. Look at my skirt. Got this bitch, she's looking at her. Look at my skirt. L'aura de la vivance, je les allumerai à toute vitesse. Il y aura toujours de l'espoir, c'est pour ça que me blesse et n'est qu'à espérer. La night est la cousine de la mort, pourtant on aime tout sortir le soir. Pour mes bichis, pour mes lapsars, pour mes niggas, pour mes losas, pour mes donis, pour mes sosa. Faire la monnaie, on aime trop ça. Entre le ventre et le sus, y'a trop venu qu'elle veut se faire sucer. Y'a l'être humain qui fait du son, quelques tétés qui font des sous. Quelques âmes sont en mode décès, tu fais pas peur même si t'es un dixa. Yeah, I'm the baddest bitch. Qui peut me mettre là? Yes, sir, Black School. Aucun nigga me coupe ça, sinon le rap beaucoup. Bah oui. Yes, sir, bitches. I'm the baddest bitch. Comme ce peuple, j'ai la piste est rasée. Terrible, c'est de la merde, ton flow est constipé. Les bitches veulent savoir quoi. Quel est ton secret, ah bon. Les bitches veulent savoir, quel est mon secret, J'aime à ce fric et fume les niggas, comme un petit calumet, Bébé, je ne te sens pas, non. Toi, tu vas te calmer. Argent et niggas, pour moi, c'est facile. Passe-moi le max, c'est moi qui ai le style. Depuis moi, tu finis aux oubliettes. Je suis comme Tina sur Turner. Je dévore et je sais que ça fait peur. Comme un mort bac, tu me démanges les ovaires. Bébé, si je te dis de descendre, obligé, tu coopères. T'es prisonnière de mon flow, je t'amènerai pas au bas-flow. Oulala, stop, c'est moi le maton. Oulala, stop, ta cuisse sur le ton. Oulala, stop, n'oublie pas le savon. Oulala, stop, 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 stop. Ma bitch, faut t'y faire. Arrête de coquer avec Lucifer. C'est moi la patronne, la badesse, bitch, pose des tonnes. Je te fais fondre comme un glaçon. Je sais que j'ai des big boots, mais de la place pour un succion. Les bitches, I'm the baddest. Les bitches, I'm the baddest bitch. Les airs dead, ça fort. Mouna est dans la maison. Mouna est dans la maison. Elle est toujours là. Est-ce que Mouna est dans la maison? Amore mio. Gang, gang, temps additionnel à minuit, wesh. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Temps additionnel minuit. La rue nous a jamais éduqués. Elle apprend à faire face à comment raisonner. J'en ai perdu des proches pour des futilités, des histoires de monnaie. On connaît peu l'amour, on danse avec la mort. Petit pas sur le côté. Et faut pas s'étonner si ça la pop pam pam. Oui, le temps est compté. Plus près des crosses, des pockets, des pleurs de la maman, des saisies au perquis. Très loin des riches, des fouquettes, mis à manger le blues, nostalgie des fouchis. Et j'entends t'es à moi, vas-y fais les bails. Seules les douilles sont d'or dans ma cité, rien de fou comme celle des Stébats. Amore, amore, amore mio. Amore, amore, amore mio. J'peux pas répondre, j'suis pas là. J'suis dans ses bras, j'suis dans le quartier. Si y'a Helja, y'a Hella. 6 sur 6 dans le barillet. J'peux pas répondre, j'suis pas là. J'suis sur ses bras, j'suis dans le quartier. Si y'a Helja, y'a Hella. 6 sur 6 dans le barillet. Mouna, Mouna officielle sur tous les réseaux sociaux. Le 15 mars, hasta la vie. Capon en temps additionnel. Tu peux me trouver son. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit ça, t'es fini? Chilla, 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 chilla. Est-ce que Sheila, Sheila, elle est là? Hey, Sheila, Sheila, yes! Sheila, grosse force à elle, très très fort. Oui, oui! Gang, 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 t'es gang, bien gang, en direct du Skyrock, de l'homme qu'on appelle Capon, temps additionnel. Sur
sur la FM, sur les ondes. Rappeuse technique, mon flow effraie. Toutes les pétasses, on les dompte. Je m'endors crédible, vu les messages sur mes MP, j'ai le compte. Je fais la princesse, je pète la duchesse, la reine, le roi et le coup. Je parle de sujets sérieux, 2018, y'a plus de tolérance. Je fais un métier périlleux, d'ailleurs, depuis j'ai moins de connaissances. J'ai de la culture, des frères, ma mère, ma team, mon rap et ma gueule. J'ai vite sorti les parasites de ma life comme un pirate. Je dis des foutais, je dis des vérités. Si je t'attaque, c'est que tu l'as mérité. Je prends le contrôle, gère la sono. J'augmente mes sommes et le PIB. J'effuse les marimes, je les dessine. Au fusain, j'ai projeté d'être crédité. Quitte à mourir, finir solo. Tant que j'ai assez gagné pour mes amitiés. Flo, flo, codéiné. Flo, flo, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rendre abîmé. Flo, flo, codéiné. Flo, flo, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rendre abîmé. Je parle ta page trop détail de ma vie. Je détonne, j'ai beaucoup de bleu ravi. Dans ma religion, le présent, c'est le paradis. Je travaille tellement que je peux pas chier, bon, même tabac. Juste la foire au gros cul, au gros sein silicone. La voie est obscure, le chemin est sillonné. Les molles du sang-gouffre se plient aux règles pendant que les forces du mal nous rayonnaient. Génération, y'a plus de respect. On parle des mères comme des herpès. Ils vendraient leur sœur pour du Hermès. Le rap n'est pas mort malgré l'airplay. Génération, y'a plus d'espoir. Tant d'une escale. On s'attarde à critiquer l'escorte alors que des frères terminent esclaves. J'ai jeté ma télé pour t'y rendre réalité. J'ai voyagé, j'ai vu bien moins d'égalité. Trafic de drogue d'humain en toute légalité. Le droit des hommes reconnaît pas la parité. Nous distrait, mais dans le fond j'en ai bien besoin. Laisse-moi digérer mon pain, le monde je le vois demain. Ya, 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 est-ce que t'as compris le refrain hein? Flo, flo, codéiné. Flo, flo, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rembabiné. Flo, flo, codéiné. Flo, flo, protéiné. Mon flow est trop chaud. Mon flow, faut le rembabiné. C'est la gueule. Un grand big up. Est-ce que le juice est dans la maison? Gang, gang, flow, codéiné. Le juice, est-ce que le juice est dans la maison? Elle est là. Les gars, roulez en ensemble. Hey, Renoir flex. J'ai toujours fait plus d'argent que mes ex. Je te dis la vérité, pourquoi tu te vexes? Car m'attends pas le latex. Gardem, je te vis qui, je réponds plus à tes textes. Me pointe pas du doigt, je vais casser ton index. On avait si dans tech, s'il, il m'envoie des sextos. Je suis plutôt versatile, c'est mon côté verso. Mon rap est criminel, j'ai pas dans la dentelle. Bitch, et c'est une ficelle, c'est du rap de femelle. J'ai pas les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Dans les nuages. Adrénaline, on accélère dans les virages. T'es pas à la page, non. Guidé par une étoile comme celle des rois mages. Ouais, c'est un pour le bif, deux pour le fric, trois pour ce putain de bif. On en veut plus du smic, non. J'ai toujours ma conso calée dans les soutifs. Goddamn, à décolter pour qu'il reste toujours attentif. Il veut mon booty booty, m'imaginant doogie doogie. J'me roule un doobie trop pétard comme ceux de Cali Cali. Tu veux faire ami ami ou plutôt tu cherches les ennuis? Le monde est petit petit, on se verra dans Paris la nuit. Il veut faire doogie doogie, me roule un doobie gros pétard comme ceux de Cali Cali. Tu veux faire ami ami ou plutôt tu cherches les ennuis? Le monde est petit petit, on se verra dans Paris la nuit. Tu connais la mentale, il faut que ça baisse, il faut que ça shake. Bitch, on veut des gros chèques et pour ça snake elle veut une bite. Rouge un flic, toujours un flic. Roule un gros split, roule un gros split. Y'aura pas de bitch sur internet, on va faire ta teuf, on va faire ta teuf. Poser une marbeuf, maison de l'eau, brac. Dans mon assiette maturée et mon bœuf. Du champagne dans une flûte, mets mon bigot sur mute. Il veut mon booty booty, m'imaginant doogie doogie. Me roule un doobie gros pétard comme c'est des Cali Cali. Tu veux faire ami ami ou plutôt tu cherches les ennuis? Le monde est petit petit, on se verra dans Paris la nuit. Il veut mon booty booty, m'imaginant doogie doogie. Me roule un doobie gros pétard comme c'est des Cali Cali. Tu veux faire ami ami ou plutôt tu cherches les ennuis? Le monde est petit petit, on se verra dans Paris la nuit. Est-ce que Mallory est dans la maison ce soir? Juicy. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Capoint d'être là, de nous avoir permis d'être là et d'avoir réuni toutes ces femmes ce soir. Et je souhaiterais mettre à l'honneur une femme ce soir, Assa. 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 Écoute bien ça derrière ton poste. Assa. Grosse force, soutien, fort. Bleu, blanc, rouge sur le drapeau. Black, blanc, beurre sur les critères.
plaque et beurre sur le carreau. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Je voudrais autant de courage. Casa, tête haute, bras levés, tu mènes le combat. Contrôle la répétition. Pression, répression, incarcération. Étouffement, électrocution. La révolte comme solution. La révolte comme solution. À ça, déterminé comme à ça. Je prends position et je dénonce. Comme toi, je suis cette rose au milieu des ronces. Tout le monde devant l'air. Comme à ça, je rêverai d'avoir le courage d'à ça. Un jour la justice triomphera. Non, non, personne n'y échappera. Oui, la tristesse ne t'arrête pas. Voici une femme qui en a. Je prends position et je dénonce. Et comme toi, je suis cette rose au milieu des ronces. Mais dans le mensonge, ils s'enfoncent. Déjà baissé les bras, ce n'est pas ton gars ça. Je te sais guidé par la foi, tu es sur la bonne voie ça. Je voudrais autant de courage. Casa, tête haute, bras levé, tu mènes le combat. Ouh. Asa, contrôle la répétition. Pression, répression, incarcération. Étouffement, électrocution. La révolte comme solution. La révolte comme solution à ça. Terminé comme à ça. Je prends position et je dénonce. Comme toi, je suis cette rose au milieu des ronces. Mais dans le mensonge, ils s'enfoncent. Tous ces morts méritent des réponses. D'autres auraient déjà baissé les bras. Ce n'est pas ton cas, ça. Je te sais guidé par la foi. Tu es sur la bonne voie, ça. Je voudrais autant de courage. Casa, tête haute, bras levé, tu mènes le combat. Je voudrais avoir le courage, Casa. Je voudrais avoir une sœur comme Massa. Assa, 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 Assa. Merci. Le Planète Rap entre 20h et 21h. Une belle soirée ce soir, plein d'amour justement et plein d'espoir. Plein d'espoir pour finir en tout cas. Plein d'espoir. Merci, je tenais à remercier tous ceux qui sont passés évidemment. Merci à vous mesdames, merci vraiment. Un gros merci, merci mesdames. Merci à vous, merci Mallory d'avoir conclu ce live. Merci à Mel d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde, vous avez bravo, bravo, bravo. Lourd. À Chila d'être passé, à la Juice, à Mouna qui était là aussi avec nous ce soir. Le juice. Pardon, putain, je vais me prendre un taquet pour la Saint-Valentin, je vais arriver à Guimbleu. Ne te permets pas. Pardon, autant merci pour moi. J'ai dit le Juice. Non, la Juice. La Juice. Non, vous avez mal compris. J'ai dit le Juice. C'est comme moi le match de Paname Manchester, tu vois. Merci à Lola, le Juice, qui était là avec nous. Il y a Laze aussi. Laze qui était là avec nous, qui a tout déchiré aussi ce soir dans l'émission. Qui on a oublié? Qui j'ai oublié? Mouna Mallory. Oh merde. Liliezer. Putain, je vais me reprendre un autre taquet. Ah ouais, là, je vais manger des loups. C'est pas bon. Hein. Arrête. Merci à vous toutes. Merci à Assa. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus à Assa qui était là avec nous? Fort. Assa Traoré qui était là avec nous. Grosse force, Traoré. Ce soir dans l'émission entre 20 et 21. Capoin, tu vas revenir demain. Tu relèves le défi ou pas? Moi, je le relève. Je balance des sons. T'as présenté toutes les femmes sauf la mienne, frère. C'est quoi le délai? C'est, j'allais dire black encore. C'est noir avec nous. Noir. Qui était à la gratte. Enfin, qui est la gratte? Qui est la femme? Et c'est avec elle tu vas passer la Saint-Valentin? Exactement. Magnifique, très belle soirée. Très belle soirée. Merci à Blax qui était là. Merci à vous tous. On est très à la bourre. On va retrouver Diffoul et toute l'équipe de la Radio Libre maintenant sur ce live. Eh bien, on est là. Ah, on débarque tout de suite direct. Non, sinon, je peux faire tourner la roulette, mais je sais pas si j'ai le temps. Bah, écoute, comme tu veux, Fredo. Sinon, on a toute notre roulette ce soir. C'est toi qui décides. Allez, petite roulette vite. Allez, on se fait plaisir. Allez, les gars.
Skyrock t'offre le triple concert de Drake à Paris, à Corotel. On aurait tort de s'en priver. Hein. Mais oui, attends, ouais, ouais. Solène qui rêve d'aller voir Drake, j'en suis sûr, ça va bien Solène? Ça va et toi? En pleine forme, je suis sûr que t'as envie de voir Drake. Oh, j'ai trop envie. Ah bah voilà. Et bah on y va Solène, c'est quoi, on perd pas de temps, tu me dis stop dès que tu veux. Ok, vas-y, je crie. Ah ouais, crie, crie, crie fort. Et tu n'es pas seule en plus Solène. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah concert de Drake. Allez hop Solène. Allez hop, ouais, c'est 13, 15 et 16 mars. Sur une des trois dates tu y seras Solène. Okay. C'est mais à l'Arena Bercy, il n'y a pas loupé. Parler à Solène aussi, il faut le dire là, il y a temps additionnel. Ah bah, bien sûr, et demain ou tout à l'heure Solène n'hésite pas à te procurer à minuit, Solène, hein. Qu'à point l'album temps additionnel sur toutes les plateformes de streaming, téléchargement okay. légal. Ou demain dans les bacs. Ben oui. Tu es okay, obligé, si, obligé sinon on ne voit pas les places pour Drake. Ben ouais, sinon on barre. Mais si t'inquiète, on t'en fait ça rapide. Donc fais un bisou, passe une bonne soirée. Okay. Merci, rendez-vous demain pour la dernière qu'à point. Et demain on fêtera la sortie de l'album. Exactement, avec le petit défi que tu m'as dit. Avec le défi. Bah vas-y, on verra. Rendez-vous demain. Difool. On est là. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, nous aussi on aura notre roulette tout à l'heure, hein, vos places de concert bien. Pour Drake, ne les loupez pas. Qu'à point, donc demain tu es là pour la toute dernière de la semaine. Tout à l'heure à minuit, nous on va fêter l'arrivée de ton album. C'est parti. Ah. Et ouais, ce sera à minuit dans la radio libre, parce qu'on sera encore là à minuit. Parfait. On est là. Eh oui. C'est parti, on a rendez-vous tout de suite sur Skyrock 01 53 40 30 20. Eh ouais. Appelez-nous, toute voilà. l'équipe est là. Mais oui, tout le monde est là. Il y a des fleurs qui arrivent dans le studio, pardon, je suis. C'est la Saint-Valentin, c'est pour c'est ça. C'est la Saint-Valentin qui a pour. Ah, hein, c'est beau. Qu'est-ce qu'on est romantique à Skyrock. Pour Marie, est-ce que tu as une fleur aussi pour Marie? Non, mais ouais, genre, tu vas pas réclamer les fleurs. Je la tige. Ouais, la tige. L'épine. Marie, je t'écoute depuis que je suis tout petit. Et maintenant, t'es tout grand. Donc, tu as donc les épines pour toi, Marie. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Et la tige. On va te filer la tige. Le plastique. Eh bien, merci en tout cas pour ce beau planète rap. On revient demain. T'as un beau gosse qu'à point. Il offre ça à toutes les filles dans le studio. Ah ouais, magnifique. Et ah bien. Bah, qu'à point demain la classe. À trouver les 20h. Quelle classe. Radio Libre, c'est parti en direct. 01 53 40 30 20 pour nous appeler. C'est tout de suite. Vous nous appelez maintenant. Vous faites de la radio avec nous. Vous avez un petit souci. Vous voulez faire les cons avec nous. Vous avez un truc à dire. Vous voulez vous taper un gros délire. Allez-y, profitez-en. Vous nous appelez. Toute l'équipe est là. Vous tous ouais. direct aussi. On arrive dans 2 minutes sur Skyrock. Dans 2 minutes, c'est parti pour la radio libre. Ciao, et dans 23h, c'est Planète Rap qui redémarre. Ouais.